Journaliste Philippe Alexandre, ancien éditorialiste politique à RTL, connu pour le mordant de ses chroniques et auteur de nombreux ouvrages, parfois polémiques, est décédé lundi à 90 ans au Touquet. Philippe Alexandre s'est éteint ce matin paisiblement, a précisé l'une de ses filles, Agnès Alexandre Collier, dans un message transmis à l'AFP avec l'accord de sa sœur et sa belle-mère, la journaliste et écrivaine Béatrix Delaunay. Chroniqueur à RTL de 69 à 96, également passé par la télévision aux côtés de Serge Julie, il sera inhumé au cimetière du Touquet dans le Pas-de-Calais ce samedi. À la télé, de 89 à 92, il a co-animé l'émission politique Le Débat sur TF1 avec Serge Julie et Michel Cotta. Puis, dans les années 90, dimanche soir sur France 3 avec Christine Ocrenne et Julie, qui lui vaut de fréquentes parodies dans les guignols de l'info sur Canal+, et les fameuses caouettes. Après RTL en 96, il a travaillé sur France 3 ou BFM, un grand éditorialiste politique.